Salut Drogba, ça va quoi mon frère? Tranquille? Comment tu vas frérot? Bon, j'ai une grosse nouvelle. Je sais que 80% des gens ne connaissent pas cette personne. Mais pour ceux qui connaissent Locklear, le frérot Locklear, ça fait tarper un plaisir. Tellement genre je suis hypé de ouf. Faut que j'en parle. De toute façon, je hosterai cette personne. Je retweeterai cette personne. J'ai le frérot qui se relance dans les vidéos sur YouTube. M'amène Locklear. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Si vous ne connaissez pas Locklear, l'équipe, c'est que vous avez raté votre vie si vous jouez à Battlefield. Vraiment, je vais pas vous mentir. Salut Xof. Ça va quoi, frérot? Ça va très, très bien. Merci, l'équipe. Locklear était vraiment une personne qui, moi, personnellement, c'était... Il était tarpin fort. Voilà, pour moi, il était trop fort. Trop, trop fort dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il faisait sur Battlefield. Et même dans la vie et tout, franchement, c'est un mec que j'apprécie énormément. Et cette personne reprend des vidéos cette fois-ci. J'ai cru comprendre qu'il allait faire du Overwatch. Donc prochainement, Locklear sur Overwatch, je pense que ça va être très 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 lourd. Et franchement, je vous inviterai à aller follow sa chaîne et tout quand, quand il relancera tout ça. Je pense que franchement, vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. Vraiment. Donc grosse dédicace au frérot. Je suis hypé de ouf de savoir ce qu'il va faire sur... J'espère des petits teamplays, à mon avis ça va être ça, je le connais. Des petites vidéos teamplays sur sur Overwatch. Franchement tu vas adorer. Tu vas adorer mon kid. Je te dis la vérité, tu vas adorer, c'est obligé. Je vais jeter un œil aux alentours. Oui et non. Allez. Après. Voilà, féroce et juste à la fois. Qu'on est reparti dans cette merveille, quoi. Cette merveille qui est The Witcher 3. Et ouais, ça fait tarpin plaisir, quoi. Ok. On est parti pour chercher des traces dans la forêt, donc je pense que ça va être plutôt vers le baril. Parce que là, l'indicateur me dit que c'est vers là, mais pas du tout. Je suis comme un gamin là, je vous le dis. Ça va être tendu. Hein. Un chariot d'herboriste. Il y a des traces de sang. Un charbon d'herboriste, il y a des traces de sang, je n'ai même pas vu les traces. Ok. Du sang, séché, depuis plusieurs jours. Nouveau marqueur, Erd. Ah, c'est nouvel coin, nouvel endroit. La piste s'arrête là. Mieux vaut interroger les gens du coin. Peut-être que quelqu'un l'aura vu. La même, c'est pour ça, franchement, je vais pas te mentir, Drogba. Merci infiniment encore une fois, Aurel. Il a profité que ce soit les soldes, quoique le jeu il soit soldé à moins 50% pour me le prendre sur, sur Steam. Salut Julien, ça va quoi? Me conseilles-tu de racheter le jeu pour les deux DLC, sachant que j'ai déjà fini l'histoire principale? Pourquoi racheter le jeu? Tu peux acheter les deux DLC séparément, frérot, hein? Ou tu peux prendre tout simplement le Season Pass? Et franchement, oui, 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 oui. Je te le conseille fortement. Les yeux fermés, frère. Encore une fois, CD Projekt, à mes yeux, je peux pas être objectif, encore une fois, à parler de CD Projekt, parce que pour moi, c'est... C'est l'une des meilleures licences qui existent pratiquement, The Witcher, tu vois, je te dis, ça existe depuis 2006 ou 2007, je crois, The Witcher 1, sans compter les livres. Et à ce jour, ils ont fait un travail énorme, mais énorme, sur, sur le jeu. Salut, Geminato. Et encore une fois, je trouve que ben, s'il y a bien des DLC qui vaut le coup, c'est bien The Witcher. Et tu peux y aller les yeux fermés, mon frère, vraiment les yeux fermés, fais-moi confiance à 1000%. Tu n'as même pas hésité une seconde, en fait. Là, tu devrais entretenir de l'idéal, tu vois. Tu joues à la manette? Ouais, je joue à la manette sur The Witcher, ouais. Tout à fait.
Je joue pas au clavier souris. Je vois pas l'intérêt en fait. Je suis plus à l'aise à la manette. Pour deux choses. Déjà, j'ai l'impression d'être comme si j'étais sur mon canapé. Même si je suis sur PC, donc clavier souris, t'as vu, genre j'ai zappé. Et puis voilà, je suis calé au fond de mon fauteuil. Je suis en train d'apprécier à fond le jeu. Tu vois ce que je te dis ou pas? Y a pas de problème, Julien. Tranquille, pas de soucis, frérot. Tu peux y aller les yeux fermés. Fais-moi confiance. Vraiment. Même si, encore une fois, je suis fan du délire, je pense que toi aussi, tu dois être. Peut-être un petit peu tout fan de The Witcher. Je suis vraiment content que le 3 ait pris une ampleur aussi énorme comme ça. Je suis vraiment content pour pour CG Projekt, vraiment. J'espère qu'un jour ils seront vraiment reconnus, même si ça y est, les gens ils commencent à les prendre au sérieux, mais ils commencent vraiment à être genre les incontournables. C'est écrit dans la description, hein, frérot. Merci pour ton follow, du coup, Julien. Welcome. Du sang, vieux de plusieurs mois. C'est à toi, chose. Je mets jamais de webcam pendant pendant The Witcher, jamais, gros. Ce jeu, pour moi, c'est tellement, genre... tu vois, je veux dire, c'est... Je sais pas, je suis tellement en kiff sur le jeu et tout, je peux pas mettre de webcam, gros. Mettre ma tête barbue sur ce jeu, je peux pas, c'est... C'est pas que je respecte pas... Je respecte pas les autres jeux, t'as vu, dans un sens... Genre, de la façon dont je le dis... Ça veut dire en sorte que les autres jeux, je m'en bats les couilles, je mets ma tête dessus, tu vois, un petit peu. Mais The Witcher, c'est... c'est trop, je peux pas. Je peux pas, frère. Donc déjà, il y a un truc en dessous. Donc à mon avis, on va devoir se faufiler dans une des... Regarde une clé. Ils sont chauds, les villageois. Jude, viens par ici. On a de la visite. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin, messire? Vous êtes perdu? Non, je cherche quelqu'un. Pas bête, papier. Ah, dites, messire, dites... On pourra peut-être bien vous aider. Je cherche un halflin aux cheveux blonds. Un certain Folkert, ça vous dit quelque chose? Oui. J'ai vu un petit gars pas loin d'ici. Il ramassait des herbes. C'est curieux. J'ai trouvé des traces de son sang, et la piste mène ici. C'est normal, ça, pour sûr. C'est les loups qui l'ont attaqué. Il a couru jusqu'ici pour se cacher. Pauvre gars, on lui a ouvert notre porte. Je lui ai dit, moi, rentrez à la ville, mon petit monsieur. C'est trop dangereux par ici. Mais il était têtu, le bougre. Il voulait rien entendre. Il est reparti dans les bois. Et on l'a pas revu depuis. J'ai entendu les loups hurler cette nuit-là. Ça m'a glacé le sang. C'est bizarre, je n'ai rien trouvé. Les loups n'auraient pas mangé ses bottes tout de même. Ça, on peut pas vous dire. On est trop vieux pour crapahuter dans les bois. Les taches de sang dans la cabane d'à côté, c'est normal? Pour sûr. C'est là que Jude nettoie le gibier. Et il fait ça chez les voisins? Il reste plus que nous deux ici. C'est quand même mieux de faire ça avec un toit sur la tête, non? Bien à l'abri de la pluie ou du soleil. Ça me bizarre. Ça rime à quoi toutes ces questions, au juste? Ma femme vous a déjà dit ce qui lui est arrivé à votre gars. Fichez le camp. Au revoir. J'ai envie de laisser planer le mystère un petit peu là sur ce village qui est totalement mystérieux. Je sais pas, donc bah oui, il y a moyen que je le fasse, mais je sais pas, IP de ouf quoi sur le jeu.
Salutations. Folkert, votre apprenti. Je sais ce qui lui est arrivé. Ne me faites pas languir. Je suis mort d'inquiétude. Il est mort. J'ai parlé à des témoins. Folkert a été attaqué par des loups. Il a survécu, mais il est reparti dans les bois pour trouver des herbes. Et sa chance a tourné. Oh. Pauvre garçon. Si honnête, si sérieux. Quelle tristesse. Tenez, voici votre or. Vous l'avez bien mérité. Donc encore une fois, pour toutes les personnes qui connaissent pas, sans laisser de traces. Combien m'a donné? Attends frère, tu me parles d'or et j'ai pas reçu d'or. Mais j'ai rien reçu gros, il m'a pas donné d'or. Il est sérieux lui? Salutations. Et tu m'as carotté là. Adieu. Ouais, j'ai rempli ça encore mon frère. Tout va très très bien, j'espère pour toi aussi frérot. Encore une fois, les lunettes que porte Geralt, c'est un gros easter egg, c'est un gros clin d'œil à The Witcher 1, le boss final de The Witcher 1, qui est le fameux magicien en fait. Et franchement, j'avais pas fait le rapprochement des lunettes, mais je trouve ça vraiment vraiment stylé. Si vous trouvez ça dégueulasse, de toute façon, si vous êtes sur YouTube, vous aurez pas le choix, vous serez obligé de subir, parce que vous êtes pas sur Twitch et vous pouvez pas interagir avec moi. Mais si vous êtes sur Twitch, n'hésitez pas à me dire ça vous plaît ou pas, hein. Si je veux, il y a vraiment trop de gens qui ça plaît pas, je les enlèverai. En tout cas, moi ça me fait bien délirer, c'est pour ça que je les laisse. Wesh, prof de bio, ça va quoi mon frère? Tranquille. Comment se passent les cours? Les élèves sont plutôt assidus ou plutôt turbulents? Je sais ce que tu vas me répondre en plus. Je suis dans le sud, hein, si j'ai pas de conneries, prof de bio. On doit péter un câble, le frérot. Je vais pas aller là parce que je crois que c'est la quête principale. Il y a la quête principale qui est juste à côté. Et j'ai peur de la lancer sans me faire exprès. Salut Blaze. Ça fait pédale. Alors déjà on dit bonjour. Et si tu n'as pas aucun goût frère, c'est pas grave. Eh oui, tu m'étonnes. Après, il y a des façons de parler, Blaze. Hein. Déjà, quand tu parles, tu dis bonjour. Tu es pas nouveau en plus sur la chaîne, espèce de gros chacal. Et en plus, la prochaine fois que tu dis pédale, je te kick, mec. T'as pas le droit de dire pédale à Gérald. Non, je rigole. Ah, ça fait pas pédale du tout, mec. T'es un fou, toi. Il a aucun sens de... Et tu sors un peu chez toi, Blaze. Tu sais que ça, ces lunettes, elles sont revenues à la mode. Au cas où, frère. Mais je suis sérieux, en plus, hein. Elles sont revenues à la mode, ces lunettes. Il y a plein de gens qui sortent avec ce style de lunettes, maintenant. J'ai même plus le nom, en fait. Je sais que Ray-Ban, ils avaient sorti une paire, je crois. En plus, je vais m'en prendre une, là, bientôt. Dire bonjour sauf des mères. Salut Cashflow, ça va quoi? Tranquille. Du coup le frérot il s'est arraché du stream bro, il a pas le temps. Hein. Montre-moi ce que t'as. Ouais, des coiffeurs. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes frère? Et tu dis toujours pas bonjour. Hein. Eh gros, va falloir que tu changes vite de comportement. Hein. Si t'es pas jeté à daronne frère. Mac Lesgui. Harry Potter, The Witcher 3. Je vais faire coffre. Ah ouais, tu m'étonnes, prof de bio. Bon courage à toi en tout cas frérot. Cette odeur, on dirait des solutions, des réactifs. Est-ce que ça va bien être? C'est tout ce que tu sais faire, saleté.
lui se transforme, c'est lui qu'il faudrait faire. Je vais bien te croire là. C'est vrai? C'est nice ça. Salut Zaléan. Nice ça, prof de bio. Ça va être très instructif. Ouais, j'avoue. Il y a des trucs comme ça, genre tu connais pas sur, sur certaines plantes, des arbres, des trucs comme ça et tout. À mort. Moi je trouve ça sympa, frère. Après, il y en a, ils vont te dire ouais, nanana, on s'en bat les couilles. Comme d'hab, quoi. Mais non, ça peut être sympa. Après, je vais pas te mentir, hein, c'est un style de cours que tu apprécies sur le moment. Et après, genre, on va te reposer la question. Alors, des fois, t'arrives à retenir quelques petits trucs. Bon, qui servent pas forcément dans la vie, mais on s'en fout. T'es là aussi pour apprendre des choses. Qui sont pas que là pour. Je me rappelle de tout ce qui était à l'ancienne. Le compas et tout. Genre, on en reparle aujourd'hui, frérot. Le compas, tu. Ça fait des petites expériences. Ouais, c'est ce que ça vaut quoi, frérot. Je trouve que c'est trop assisté encore une fois. Le jeu, il est magnifique, hein, tout ce que vous voulez. J'ai quelques petits défauts, moi, personnellement, par rapport aux deux premiers. Et qui fait que le jeu est beaucoup plus casu et beaucoup plus ouvert, bien évidemment, aux gens. C'est le côté beaucoup plus casu qu'ils ont fait au niveau des recherches et tout ça. C'est bien sans l'être réellement, tu as juste à dire, pour des personnes qui ont déjà fait les deux premiers. Mais après, c'est deux partout pareil, hein, genre, ils casualisent le jeu pour ouvrir les portes, entre guillemets, à d'autres personnes qui seraient plus, tu vois, susceptibles de pas trop chercher ou qui seraient susceptibles d'être plus guidés. Comme des jeux comme Lara Croft ou les trucs comme ça, où les mecs sont carrément genre ils te disent où est l'objectif. C'est ouf. Ouais, c'est pas bête. Prof de bio, j'avoue. Salut Esteban, ça vaut quoi frérot? Bien. Le trafic de drogue, fenêtre ouverte, métier dangereux, de bottes sur le lit. Quelqu'un a filé sans demander son reste. Ça sent le. Oui, ils préparaient du fistec. Ils sont partis avec tout le matériel, sauf ce qui était cassé. Alors pour ceux qui ne savent pas, le fistec est la sorte de drogue des années 1700 sur The Witcher. C'est le mal absolu, c'est voilà, c'est la drogue dure. Voilà, la drogue dure du jeu, c'est le fistec. Donc là, c'était un labo de meth, entre guillemets. C'est un labo de fistec, les gars. Donc les mecs, ils étaient en train de faire de la drogue, tout simplement. Et il va falloir qu'on arrête tout ça. Le fistec est mauvais pour la santé, je tiens à le dire. Salut les gens, ça va quoi frérot? Bien. Garde les yeux bien ouverts mon ami. Quelqu'un s'intéresse à ce que tu fais. Mon de rire. Wesh Amida. Tranquille. Tu peux, hein, tu peux enlever la boussole, etc, etc. Tu peux enlever le radar et tout, mais t'es très guidé je trouve. Vraiment. Après, tu fais comme tu veux. Hein. Mais régulière. Quelqu'un est passé ici en courant. Je trouve que c'est vraiment très assisté sur le jeu. C'est dommage. Tu vois, le coup des marques et tout. Je trouve que les marques sont trop rapprochées les unes des autres et tout. Après, encore une fois, c'est. Je. Voilà. Je chiffonne. Tu vois, genre, je suis en train de marronner pour des petits trucs qui n'ont pas trop intérêt d'être. Mais c'est vrai que voilà, ça me fait un petit peu chier. Il s'est arrêté ici pour se cacher, puis il est reparti. La famille va très 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 bien, merci infiniment l'équipe, j'espère que vous allez bien vous aussi. Là je suis comme un enfant là, donc je suis sur mon jeu. Une cicatrice sur le front.
C'est sans doute Kluivert. Un carreau dans le dos. Un tir à bout portant vu la pénétration. Et en provenance du village, ou du moins de sa direction. Je me languis de poster les rodifs d'hier. Vraiment gros moment avec, je veux pas spoil, mais vraiment gros moment sur le jeu. J'ai vraiment aimé. C'est pas en termes de gameplay, en termes juste de trame scénaristique et tout. Genre le jeu, je trouve qu'il prend des proportions, l'histoire, les délires que CD Projekt apporte au jeu et tout. C'est vraiment un truc de malade mental, hein, ce que les mecs font sur la licence. Et je me languis vraiment de voir ce que va donner Blood & Wine. Je suis comme un enfant. Alors, cherchez des traces de l'homme avant de tirer le carreau à l'aide de vos sens de sorceleur. Quoi, t'es sérieux? Non, je suis sérieux, moi? Je peux pas le brûler, tout ça? Tu me donnes envie de le racheter. Je surtout que je t'ai pas fait les DLC. Bah il faut. Il faut que je cherche d'abord ces traces. Faire quoi que ce soit. Tu vois, selon selon ce qu'ils me disent eux, genre le mec serait là-dedans. Salut Eryx. Tu as jamais joué, putain. Bon. Mais écoute, je pense qu'on te revoit plus pendant 6 mois, frère. J'ai terminé le jeu et je suis en train de faire les DLC Blaze. C'est déjà beaucoup mieux là. Même si à mon avis je pense que encore une fois le jeu a bug. Parce que c'est pas possible qu'il me sorte pas les traces du mec. À moins que je cherche très mal. Et je pense que ça doit être le cas. Je suis en train de faire tout le tour. Je vois pas des traces quelconques. Non, il devrait afficher non. Un petit truc. Selon les dires du truc, du tutoriel. 6 mois tant que ça. Non, mais je pense que tu en auras bien pour 2 mois si tu te mets bien à fond sur le jeu, sachant que dans une semaine, il sort un contenu qui dure à peu près 30 heures. Ce DLC a soi-disant une durée de vie de 10 heures. Le jeu final, moi j'ai mis plus de 5 et quelques heures à le faire, si tu veux faire vraiment toutes les quêtes et tout. Donc je pense que ouais, il y a moyen de te faire un bon 200 heures sur le jeu, si tu veux vraiment le faire de fond en comble. Donc ouais, il y a moyen que je passe énormément de temps dessus, quoi. Moi je pense que honnêtement tu peux passer facilement 2 mois dessus si tu t'intéresses vraiment au jeu, que tu y vas tranquillement, que tu fais ça calmement, que tu te mets dans une difficulté qui est... moi je me suis mis en sang, sueur et larmes. Du coup voilà, c'est pas très moche. J'en ai marre de me faire retweeter par des putes, pardon, je suis désolé, mais c'est vrai, genre des gadgets qui montent le cul à l'air, y'en a marre. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Salut Sepfoot, ça va quoi frérot? Bien. Bon. Ah non, c'est pas un bug, hein. Vous voyez, j'ai fait une sorte de reload parce que des fois il y a des trucs qui bug sur le jeu. Et là, il n'y a pas de bug. Donc cherchez les traces de l'homme ayant tiré le carreau à l'aide de vos sens de sorceleur. Mais... comment tu veux que je trouve le carreau ici, frère? J'ai fait tout le tour des trucs. Par rapport à ce langage. Mais en vrai, c'est la vérité, j'en ai marre en fait. Des gadgets qui te retweetent et ils ont le cul à l'air, gros, sur Twitter, c'est bon. Hein. J'en ai rien à foutre de leur vie, moi, frère.
La manche de la mort, c'est la dernière difficulté, ouais, la plus hard, ouais. J'arrive pas à le trouver, hein, les gars. Il y a 4 secondes, je parlais de... J'arrive pas à le trouver. Salut, Futché. Salut, Nicotino. Thanks for the sub, Kapow. Ouais, je serais demandé. Une cicatrice sur le front. Thanks for the sub, Kapow. Un carreau dans le dos. Un tir à bout portant vu la pénétration. Et en provenance du village, ou du moins de sa direction. En fait, je vois pas comment il est en fait. Un carreau dans le dos, il a dit. Ok, donc. Un carreau dans le dos. Donc c'est soit celle-là, on est d'accord. Vu la direction que le bonhomme a pris. J'opte pour celle-là, moi. Parce que vous avez vu la position fétale du monsieur là, la PLS, donc c'est pris un coup dans le dos, et un coup dans le dos, mec, il n'y a que deux solutions. Salut Sébastien. Et par contre, voilà quoi, peut-être ça vient pas automatiquement de là. Mais il a dit à bout portant vu la pénétration. Ma foi. Ça marche pas le healing, gros. J'ai essayé déjà sur les tentes, ça marche pas. Pas sur les buts en. Salut Morgane, ça va quoi? Non, mais j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé l'équipe, hein, le healing sur les. C'est la première chose que j'ai faite. Je sais pas. Une cicatrice sur le front. C'est sans doute Kluivert. Un carreau dans le dos. Un tir à bout portant vu la pénétration. Et en provenance du village ou du moins de sa direction. Oh, la seule quête que je veux faire... La seule quête que secondaire que je veux faire, soit les bugger, soit c'est moi qui n'arrive pas à trouver. Cela ça commence à devenir lourd. Ah d'accord, ok, ça y est. Un carreau d'arbalète et des empreintes profondes. Le tireur devait porter une armure lourde. Alors, écoute Gérald, quand tu parles de pénétration à bout portant et que le mec, il a 200 mètres, on n'a pas le même sens de bout portant, toi et moi, mon frère. Pour moi, bout portant, en gros, c'est là. Tu vois, ça c'est à bout portant, tu vois. Je te mets de là à là ou à bout portant, vraiment, c'est là, gros. Tu vois, de là à là au cadavre. Donc, que tu parles de bout portant et que tu te retrouves là-bas à 200 mètres, c'est qu'il y a un souci à un moment. Oh oh. Oups. Oups. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. On est d'accord que le mec il est un peu fumé sur le bout portant. Hein. Moi je me fie à ce que tu dis, frérot. Tu me dis à bout portant. Hein. Oh. Prends pour un con, quoi. Ouais, je canne ça ou quoi. Bien. Parfois t'abuses, mec, t'abuses. Des empreintes de sabots qui vont vers la colline. Il y a encore quelqu'un là-bas. De toute façon, tant que tu dis pas bonjour, Blaze, je te réponds plus sur le chat, frère. Sérieux. Ah la cible.
Oh, mais nique ta mère un peu, pardon. Salut Takayu, ça va quoi? Where's Storm? Oh oui, il m'emmène le frère là, mais il est chaud. Hein. Chevalier de Tichu. Sérieux? Soyez témoins, mes frères! Au secours! Aidez-moi! Ils sont ultra résistants, c'est ouf quand même. Allez, le bouclier, lâche. Pouah, le bouclier, il lâche pas, frère. Allez, approche. C'est les Balrogs. C'est un ordre sur le monsieur là. Car il est déchu. Schéma de pantalon non traduit. La base quoi. Oh là là, tout le fistec que je trouve, c'est chaud. Si tu sniffes encore autant de fistec, tu te retrouveras au bois mortifère. Comme ce maudit Peter. Le travail, c'est de vendre le produit, pas de l'inhaler. Nom d'un chien. Alors attends, ramassez le rejet. On va rire. Le coquin.
Le mec il sniffait toute sa merde quoi. Eh ben c'est du beau ça. Pas je revique ça ou quoi frérot, bien. Comme ça tu sniffes ton fistec enfoiré. Cela leur mère le village de une plus d'amour. Ah ouais d'accord ouais. Détruisez tout le reste, ok. Allez on va aller au nord. Je sais pas par quoi on pourrait dire en fait l'équivalent du fistec avec la drogue de maintenant. Je saurais pas vous dire en fait, peut-être de la coke. Du nerf à blette. Ou de la méthamphétamine. Mm-hmm. Mr. White. Salut Rémi. Ouais Jetman, ça va ou quoi? Et welcome back frérot, ça fait plaisir. Bon retour parmi nous. Viens par ici, petit sorceleur. Ah. Où tu es? Oh! Et deux, il ouvre le deuxième. Je t'attends. Moins 2. Holy shit, putain, j'ai trop chargé. Alors, on a les fois. Mais t'as pas le droit de faire ça, mec! Le haut fait triplé gagnant, mordeur. Ok, ils m'ont mis en PLS hein, ces soldats de merde. Mais encore une fois, je trouve que c'est les combats les plus beaux sur le jeu. Les combats contre les soldats, parce qu'il y a parade, explosion quoi. C'est pas que d'esquive et tu tapes sur les mobs. Je trouve que c'est intéressant, je trouve ça très 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 intéressant personnellement. Et voilà. Bon, maintenant que on a un peu pété tous les mecs. Revampier. Je vais attendre un peu que ma vie remonte.
Mais quand les gens ils résistent, ouais, ça fait plaisir, frérot. Je sais pas si tu parles du même truc que moi, Kanda. Ah, comme je me suis fait niquer. Faudrait peut-être qu'un jour je prenne 500 de vita en plus. Parce que je l'ai pas fait sur cette sauvegarde et. Au galop, Ablette. Ah, je re, je crois que tu vas écrire re, y'a pas de problème, à tout droit. Ouais, j'ai chigo. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ici que l'ordre de la Rose Ardente a établi ses nouveaux quartiers. Grandeur et décadence. Écoutez-moi bien, le pouilleux. Je sais pas d'où vous venez, mais vous feriez mieux d'y retourner vite fait. Adieu, Fuchi. Bon, qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous voulez mon pied au cul? Je n'aime guère qu'on me parle sur ce ton. Ah ouais? Vraiment? J'étais poli pour. Mais si vous ne comprenez pas la politesse, je peux essayer autre chose. Trois petits tours, ils sont bons. Viens par ici, petit sorceleur. À moi. Dansons. Mort de rire, je savais qu'il allait mourir avec les saignements, c'était pas... c'était énorme. C'est stylé, franchement les dégâts de saignement sur les ennemis c'est stylé. J'adore. Ah moi le fils tech. Oh là là, mais je pense que là carrément si j'arrive à avoir carrément tout le trafic, et je vais faire un trafic de fils tech les gars. Parce que là on est dans un labo de maître là. De fils tech, de labo de maître, mais n'importe quoi. Oula, va pas falloir que je fasse le con là. Il est sérieux le mec il dort? Je passe à côté de lui comme ça. Il est sérieux là? Faire un jeu. Non. Oh.
Si j'arrive déjà à les tuer comme ça, ça peut être vraiment fat. Faut que je les amène dans le brûleur. Et ça pique. Et oui, mourir. On est dans l'ancien lambeau de Mr. White. Dommage que t'étais pas là hier soir, Panda. Tu aurais rigolé hier soir. Il s'est passé des trucs de fou sur le jeu. Solution totale, quoi. Ça va au niveau des couronnes et tout, les mecs, j'ai ramassé moins 50 couronnes tout à l'heure là avec ce truc de merde. Bon, moi je me suis refait un petit peu en Alcaest et tout. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-bas? Et voilà, au moins une bonne chose de faite. Allez. Sur le chemin, là, parce que ça va pas être possible. Au galop, Ablette. Tout doux.
Salut Florian, ça vaut quoi gros? Ah, derrière moi, nice. Beaucoup de choses se passent à Oxenfurt hein, sur ce DLC, c'est pas mal. J'ai vengé ton ami. Ah, je savais qu'on pouvait te faire confiance, Zyutcha. Vas-y, crache le morceau. C'était qui, ce salopard? De vraies ordures, ces chevaliers de l'ordre de la Rose Ardente. Et dis-moi, qu'est-ce que tu leur as fait? Tu les as empalés sur des tisons ardents? Tu leur as crevé les yeux? Arraché la peau, peut-être? Non, je les ai tués, c'est tout. Oh, belle gueule, mais chiant à mourir. Tiens, Zyutcha, me voilà ton or. Achète-toi un peu de panache. Coquine. Tiens, tiens. 200 couronnes, 200 couronnes. Couronnes, ce serait pas de refus. Hein. Franchement, surtout avec les tâches que vous... Tout à l'heure, il faut accomplir des tâches de ouf et je vois rien en retour. Et les funérailles de Horst Orson hier. Ouais. Et qu'est-ce que ce sera mon projet? Je vais tout faire. L'abricot à ce. Que vous faut-il? Voyons. Ouais, je blague. Adieu. Cheveux blancs, un petit coup d'œil sur les marchandises. Bonjour. Montrez-moi. Ah, ils sont tous dépouillés, les gars. Putain. Ah ouais, je peux rien vendre, gros. T'imagines ce que je suis obligé de faire pour vendre quand même? What the fuck? Que des pauvres! Adieu. Vous avez quelque chose? Sérieux, on a fait déjà toutes les 4 secondaires du DLC? Je crois que j'avais ruiné lui aussi. Merde, le con. Douleur. Oh le con. Juste sous la ceinture. Yeah. Oh. Excusez-moi. Filier, pour une interrogation. J'ai rien compris. Hors de ma vue. Que je fasse quoi, gros? Après ton stream, j'ai check la roue où il y a la scène du Krenz en boucle, mon André. T'as vraiment un petit coquin, toi.
merci beaucoup. Hein. Bonjour. Merci pour toi, Sardon. Des points d'interrogation, ouais. Oh. Ça m'intéresse pas tant que ça, en fait. Je sais que le trocard, c'est des trésors ou ce genre de choses. Et je trouve qu'en vidéo, j'ai assez donné, en fait. T'as vu, genre, pour faire ce genre de choses. Bonjour. Je peux les faire moi pour moi personnellement, tu vois. Je pense que, tu sais quoi, tout ce qui est point d'interrogation, etc., etc., si on arrive à vite finir le DLC avant mardi, je pense que je ferai ça en fait, les deux jours restants. Je vais voir comment ça se passe en fait. Voilà, t'as 5000, toi ça va, t'es pas un pauvre. Ça commence à me gonfler là. Ça, je m'en fous. Il m'en donne 1000 pièces, le chacal, quoi. Je jouerai jamais avec, de toute façon, je m'en bats la race complet en fait. J'ai trop peur d'être en PLS sur le jeu, donc. Si je démantèle, tu me donnes quoi? Si je démantèle les anneaux, je peux même pas les démanteler? Ah, si. Ah, ça donne des pipites d'or. Oulalalala. Tarpé intéressant. De l'émeraude. Et en plus, ça coûte pas cher à démanteler, donc... Bon, j'ai perdu grave de thunes, mais bon, c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Ça, c'est bon, ça, les perles noires. Perles tout court. Très 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 longtemps que je me suis pas amusé à faire des argent pur et j'en ai un stock de fistec hein. What the fuck. Et y a pas moyen de revendre ce fistec quelque part ou quoi? Je suis sûr qu'il y a moyen de revendre le fistec à un marchand un petit peu compromettante. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans le commerce, j'ai quoi? C'est bon, j'ai que des glyphes, quoi. Encore une fois, si c'est en dessous de 5%, je garde pas. Je trouve pas ça intéressant. Empoisonnement. Ah! Ouais, non, en fait. Parce que je crois que mon arme est, est une arme qui empoisonne aussi. Infliger des saignements, ça peut être intéressant. Signe d'action, on s'en fout. 2% signe queen, on s'en fout. 2% de dégâts, 2% de signe d'art, on s'en fout. Ah, du coup, j'ai chance de saignement 3% ici. Adieu. Ouais, stop, ça va quoi, frérot, bien. Ok, heureux de la prendre, papy. Vous avez fait un beau carnage alors. Oui, c'est vrai, j'ai acheté la figurine. Comment je fais pour la démonter, Blaggy? C'est vrai, frérot. C'est un forgeron qu'il faut que je démantèle. Bonjour. Faut la démanteler ou la vendre directement en fait? Elle est où cette figurine? C'est le beard là. Ah, je l'ai vue, elle est là. Je l'ai vue, elle était là. Elle est là. Ok, ça me donne une clé. Adieu.
Ah, ça y est, ce sorcier? Mort de rire, frérot. Me dis pas que tu as déjà acheté, gros. Ah, du coup, elles font 800 euros sur le site. Oh, les bâtards, ils ont enflé les prix quand même. C'est chaud. C'est chaud, le prix, gros. Hard.